Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, enfin on va se retrouver ce week-end pour faire un vlog. Donc là c'est 9h du matin, on part parce que les filles elles ont leur spectacle d'école. On est samedi donc voilà. Tu dis bonjour Lilo. Bonjour. Arrête Lucie. Donc voilà, bah là on part et je vais vous filmer un peu le décor autour de chez nous. Après je vais essayer de prendre des photos au spectacle d'école et... Enfin, je vais vous garder avec nous un peu tout le week-end. Vous verrez les activités qu'on fait, tout ça. À plus tard. Donc voilà, on est sorti de chez nous, du chemin qu'on a privé. Là, on est en pleine campagne. Hein. On habite en pleine campagne. Donc voilà. Les pommiers, là. On a les pommiers, on a la forêt. On va passer dans la forêt. J'espère que ça va pas trop trembler. Que filmer en voiture c'est un peu délicat. Maman, les arbres. Ah oui, donc voilà, bon, on est vraiment en pleine campagne. Un jour, on a vu une couleuvre. C'est quoi un serpent qu'on a vu, maman? Oui, c'est une couleuvre sur la route. Oui, ici. Oui. Voilà, il faisait bronzette. Ouais, et heureusement qu'elle a vu la voiture, elle. Par contre, il nous a entendu. Il a plié sa queue. Donc ici, nous, on n'a pas la mer, mais bon, on a les montagnes, la nature, voilà. On est très bien. Bah là, il y a les poneys. Ouais, coucou les poneys. Oh, il y en a un qui a une selle. Il a une selle, le poney? Non, oui, mais il va partir en... Mais va partir en promenade aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est content, on a un magnifique ciel bleu, on va pouvoir profiter de notre journée. Magnifique vent aussi. Ouais, il y a du vent par contre, ça c'est sûr. Un peu de vent, une petite brume. Coucou, alors on se retrouve, on est samedi soir, il est 19h, on va faire des pizzas avec les filles qui sont pas vraiment maison parce qu'en fait j'ai déjà acheté tous les ingrédients. Donc voilà, donc on voulait vous montrer nos pizzas. Donc on va faire comme ça et quand les filles vont faire un peu les pizzas, après je vous dirai un peu le déroulement de la journée, ce sera peut-être plus simple. Tu dis bonjour Lilo. Bonjour. Donc Lilo elle va nous faire une pizza à quoi? Au ananas et au poulet. Voilà, il nous reste du poulet d'hier à la crème et donc on a mis une boîte d'ananas. T'as fait quoi ta pâte? J'ai fait des petits trous avec la fourchette comme ça. Voilà, et après tu vas mettre le poulet et l'ananas. Ouais. Donc voilà pour la pizza de Lilou. Au poulet, ananas. Donc on a déjà prêt à découper tout dans des assiettes. Voilà. Alors, et Lucie, qui est à côté, alors on va tourner un tout petit peu. Dis bonjour. Bonjour. Tu vas nous faire quoi comme pizza? Pizza, jambon et champignons. Jambon, champignons. Donc voilà, c'est des champignons en boîte. Et c'est du jambon, voilà, du commerce. Hein. Donc voilà, parfois on fait aussi des repas rapides, vite fait, bien fait, on va dire. Après, il y a des jours où on cuisine un peu plus. Bah, je vous laisse faire les pizzas. Vous pouvez commencer à mettre les ingrédients dessus, les filles. Mais tu peux mettre avec les doigts, tu t'es lavé les mains. Donc voilà, donc les filles elles vont faire les pizzas et moi je vais vous raconter un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc on a fait des courses, on a fait le truc de l'école des filles, on a pris de quoi faire une ratatouille pour demain midi et donc on fera ratatouille poisson demain midi avec les filles. Et du coup aujourd'hui voilà, on est en course et on a pris une piscine. Alors est-ce que, voilà, vous allez avoir là, une grande piscine comme ça aux filles pour qu'elles puissent se baigner et profiter de l'extérieur, tout ça. Comme les beaux jours sont arrivés, voilà. Avant, elles avaient une pataugeoire, mais bon, maintenant, c'est plus assez grand. Donc, je referme ma moustiquette, parce qu'ici, à la campagne, les mouches, c'est génial. Et d'ailleurs, je vois qu'elle est déscratchée là-haut. Il faudra qu'on remette une punaise. Donc, oui, les filles, voilà, elles pourront profiter de l'extérieur, tout ça. Elles sont contentes de leur piscine, je pense. Vous êtes contentes de la piscine? Oui. Alors, je sais pas si j'arrive à vous cadrer les deux en même temps. Pas du tout.
Non mais fais ta pizza au lieu de faire la zazou, s'il te plaît. Donc voilà, elles font la pizza, je vais ranger les ingrédients que j'avais sortis qu'on n'a plus besoin au frigo, sortir le gruyère. Donc, on fait le frigo autour, ça sera mieux. On n'a pas fait la pâte à pizza non plus aujourd'hui. Hein. Donc ce soir, ça va être pizza, salade et glaces, certainement au dessert. Voilà, ça va être un repas pas très équilibré, enfin, un peu repas de fête. Ouais, parce que c'est comme c'est ma tata qui s'appelle Marion, c'est dans les deux. Une de côté de maman et une de côté. Donc là, ben voilà, j'ai mis le four à chauffer. Étale tout. Maman. Non, mais mélange. En fait, il faudrait que tu fasses un peu. C'est toi, c'est pareil. Il faudrait que tu fasses viande, poulet, tout mélanger. Je laisse un espace pour poulet là. Ouais, et c'est pas un peu serré des endroits, non? Non. Donc voilà, bah, je pense que la pizza va prendre un petit moment à être faite parce qu'elles s'appliquent, elles font le tour de leur pizza. Donc on va couper, on vous reprendra plus tard, on vous montrera le résultat déjà quand la pizza sera cuite. Donc voilà. Et on va aussi faire, pendant que la pizza cuit, on va vous faire l'ouverture de la Dégusta Box. A tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Les rats. Là, je vais nous montrer les rats. Alors, nous avons Monsieur Grignotte. Et nous avons un nouveau rat qui s'appelle Calin, qui est un petit peu plus sauvage que Grignotte. On va essayer de vous le montrer. Il est ici. Donc, voilà. Il a un compagnon, Grignotte. Comme ça, il ne s'ennuiera pas. Il ne sera pas tout seul. On vous montre aussi le soir, quand on se met sur le canapé pour les faire sortir. En fait, on a mis une planche et du coup, ils sortent tout seuls. On va essayer de montrer... Si Grignotte veut bien sortir. Calin, c'est sûr, il sortira pas parce qu'il est plus peureux et du coup, il sort pas forcément. Alors là, il repère sa planche. Grignotte, viens mon pépère, viens. Viens mon pépère. Allez, viens vite. Attends, faut t'enlever l'eau là, sinon on va pas le voir sortir. Grignotte, viens mon pépère, viens. Bon, d'habitude, il sort très bien, mais là... Comme il y a la caméra, il est intimidé, hein, évidemment. Ben voilà, il va aller manger, tranquille. Il n'a pas décidé de sortir, je crois. Ludo l'a lavé tout à l'heure et je pense que il est pas content. Quoi qu'on va le laver, mais c'est pas toutes les seules petites qu'on va le laver. Allez, viens, mon pépère, viens, vite, viens. Allez, viens. Viens, vite, viens. Et tiens, moi, Lola. Lola, tu me fais bouger, là. Viens. Allez, viens vite. Bon, bah il veut pas. Bah, on vous fera voir une prochaine fois, un jour où il sera décidé. Ouais. À plus tard. Nous revoilà avec nos pizzas. Donc les filles, elles sont en train de mettre la crème. Et je sais pas pourquoi il y a le flash là sur l'appareil photo. C'est nul. Il faudra régler ça parce que ça nous fait mal aux yeux. Non mais Lucie, il faut faire des petits tas un peu partout en fait. C'est pas étalé, c'est juste des petits tas partout. Vas-y. On les voit les longs. Et Lola, tu vas mettre le gruyère sur la pizza. Donc voilà, on va mettre de la crème partout sur la pizza. Ensuite, on va mettre du gruyère sur les deux pizzas. Et on va les mettre au four. Et on se retrouve dans 5 minutes pour l'ouverture de la Dégusta Box. Lilou, regarde, tu en mets partout. A tout à l'heure. Donc coucou tout le monde, on se retrouve à nouveau pour l'ouverture de la Dégusta Box. C'est la deuxième fois qu'on filme parce que voilà, avec les filles, c'est pas toujours facile. On va essayer de vous cadrer Bonjour. Comme ça que vous voyez tout le monde. Donc la box, elle est là. Je vais leur donner un produit chacune leur tour et elles vont vous dire ce que c'est. On va essayer comme ça, on verra si ça marche. Donc on a des prospectus. Donc on a le sirop Monin. Créez vos cocktails en 3 étapes. Sirop, rhum, jus d'orange, sirop, citron vert, menthe ou gazeuse. Ah cool, on a des recettes sans alcool, alors peut-être qu'on va pouvoir en tester certaines, on verra si on fait ça, enfin on fera ça avec vous si jamais. Et là on a d'autres recettes, mais du coup dans celle-ci, non, dans celle-ci il n'y a pas d'alcool, et dans celle-ci il y a du rhum, donc il y en a une qu'on testera peut-être et l'autre non. Et on a une recette de tomates mozza, donc on doit avoir un pot de tomates, tomates séchées au four comme ça. Donc voilà. Allez, on s'assoit. Je te donne quelque chose, voilà, tu nous dis ce que c'est.
C'est quoi? Donc ça, c'est les chips. C'est les chipsters de Belin saveur poulet. C'est nouveau? C'est nouveau? Ouais, peut-être. Je sais pas, on n'a jamais goûté. Donc ceci, Lucie. C'est les chips. Ouais, c'est les crackers de... Les crackini de Belin salés cuits au four. Lilou! Alors, c'est des pains chocolatés. Ouais, c'est des biscuits et des chocolats, c'est des petits écoliers. Oui. Mais c'est des barres, elle a raison. Ils sont en barre comme ça. Donc ça, bah, c'est pareil, on testera et on vous dira. On va essayer de vous faire des retours produits, on devait le faire et on l'a pas fait jusqu'à maintenant, mais on va essayer de le faire pour les prochaines, dans des prochains vlogs. Ici, nous avons des pains jaquets pour faire des toasts, alors ça c'est bien hein, pour l'été, les apéros et tout. Ludo, à toi de présenter un produit. On va tourner un petit peu parce que vous voyez pas Ludo. Alors c'est du thé pour le plus grand plaisir de Pamela à la menthe. Oh non, et mon corps foutu de la menthe, c'est pas possible. Bon, on va se contenter de donner la menthe aux filles, parce qu'elles, elles aiment bien. Et moi, je boirais celui à la pêche, hein, ça me plaira mieux. Moi, évidemment, je déteste la menthe. Donc moi, voilà. Menthe, Lola, tu nous dis, c'est quoi ça? Saucisson. Le saucisson. On a un saucisson Justin Bridou. Recette catalane, pure peau. Donc, comme ceci. Ensuite, ben alors là, on va déballer. Alors, je suis désolée pour le bruit. Je coupe. On ouvre tous les papiers bulles parce que là on a tous des trucs sous papier bulle et on vous reprend dans 5 minutes. Donc voilà, on se retrouve à nouveau pour la suite. On a tout déballé des papiers bulles. Les filles ont pris chacune une petite bouteille. Donc voilà. Lilou, elle a du sirop d'orange. De la marque Monin. Donc c'est là, enfin avec les recettes cocktail, on a 50 ml pour celle-ci. Lucie, tu as Morito. Du sirop de Morito. Avec de la menthe, hein, comme toujours. Vous ne pouvez pas s'en passer. Donc on a 50 ml, pareil. On peut montrer. Oui, et ensuite, toi, tu as du sirop de... Est-ce que tu sais? Et Lola, là, le sirop de pamplemousse, pareil, en 50 centilitres. Donc je regarderai ce qu'il faut. On va regarder pour faire Comment ça s'appelle les... Pour faire les cocktails et on les fera ensemble, du coup ça sera sympa. Donc là on a des tomates cuisinées idéales pour les pizzas. Ça tombe bien, hein, les pizzas sont dans le four et on a fait des pizzas à la crème. Donc on sera obligé de manger à nouveau des pizzas. Oh, quel dommage. Oui. On va être obligé de manger des pizzas pour goûter. C'est dommage. Hein. Nous revoilà pour la troisième fois. On n'avait plus de batterie sur le téléphone. Donc Ludo allait vous présenter les bières. Alors, on a eu trois bières. Telfort blonde. Elles sont pas trop mauvaises. Voilà, il y a écrit pour les Limousins, pour les Landais. Et malheureusement pour les Lyonnais, les Marseillais, on les a oubliés. Hein. On en parle ou pas? Mais je crois qu'il y en a une pour les sudistes. Je crois qu'elle existe, non? Et il me semble. Mais bon, nous on est sudistes, mais bon, toi t'es sudiste, mais moi je suis au Savoyard, ben, enfin bref. Bah, toi, on va c'est pas faire Lyonnais, polémique. Hein. Non, merci. Désolé. Et donc, on a aussi une conserve de tomates rôties au four, aux olives noires. Pour savoir voilà, que je suis du sud, mais j'aime pas du tout les olives. Hein, alors... Voilà, donc là c'est Ludo qui est heureux d'avoir les olives noires. Donc voilà. Donc et ben, aujourd'hui on a eu 1, 2, 3... 4. Comment on compte nos produits? On a eu 3 bières. La sauce tomate, tu comptes? Ouais. La tomate cuisinée. Les 3 mignonnettes de sirop. Les chips Belin. Les pains à toast jaquet. Ils sont nature. Le saucisson Justin Bridou. Les chipsters de Belin, les petits écoliers, le thé pêche et le thé à la menthe. Donc voilà. Encore une quinzaine de produits. Quoi. Donc on a à peu près une quinzaine de produits pour 15,99€ comme d'habitude. Si vous voulez, je peux vous mettre aussi un lien de parrainage.
Faut que je regarde comment je peux faire parce que je sais qu'on peut parrainer les gens et gagner des choses. Je l'ai jamais fait jusqu'à maintenant parce que franchement, on présente la Dégusta Box parce que nous on a décidé de s'y abonner. On aime bien le concept de découvrir de nouveaux produits, mais en fait on n'a aucun parrainage avec eux, on gagne rien et... Voilà, donc on le fait comme ça parce qu'on a envie de le faire, de partager ça avec vous, mais après on n'a aucun, enfin on n'en tire aucun bénéfice, donc voilà. Donc voilà, bah, on va aller voir si les pizzas sont cuites, peut-être. Donc on vous reprend, si les pizzas sont cuites, bah, on vous montre le résultat. Donc ça y est, les pizzas sont cuites, même bien cuites, donc nous avons la pizza jambon, fromage et champignons. Et ensuite la pizza... Attends, j'ai besoin de la deuxième manie pour rouler ici. Et nous avons la pizza ananas, poulet ananas. Et donc, je suis partie. Je vais peut-être couper ce morceau. Je voulais vous montrer aussi les boissons qu'on avait fait avec les filles cet après-midi, du coup. Alors... Non, on a fait en fait c'est de l'eau pétillante, du sucre et de la pastèque, donc on s'est fait des boissons comme ça, comme c'est comme il fait chaud, on aime bien boire des choses comme ça. Et dans celle-ci on a mis des oranges, du citron, de l'eau pétillante et un petit peu de sucre, donc voilà. Donc et ben on va passer à table, on va sortir aussi la salade de carottes, la salade verte, la sauce salade. Et donc voilà, on se retrouve, bah, je pense, demain, parce que je pense pas que ce soir on va faire grand chose d'extraordinaire. Donc voilà, à plus tard.